Il fait pas des courses de chien, lui. Courses de lévrier, non? Qu'est-ce qui m'a pris de miser sur des banquiers, les gars? Des collectionneurs de montres, la vie de ma mère, où je vais péter la télé, frère. Avec ça en plus. Qu'est-ce qui m'a pris de... Aujourd'hui, c'est le bac philo. Le bac philo, ça se révise pas. C'est où tu es un philosophe dans l'âme, ou tu l'es pas. C'est tout, les gars. Je vois des élèves, ils font des fiches. Pourquoi tu fais des fiches? Voilà, pour le bac philo. Le bac philo, les gars, c'est où tu es un filou, ou tu l'es pas. C'est le bac philo. Voilà. J'attends le bac pour savoir qui est le plus jeune bachelier de France. Voilà. Et tous les ans, ils nous sortent un nouveau record du plus jeune bachelier de France. C'est incroyable. Le mec, il a 11 ans et demi, il passe le bac. Toi, t'as 30 ans, tu te fais frapper par la bac. Voilà, c'est incroyable. Et tous les ans, t'as un petit reportage sur BFM TV. Oui, bonjour, ici Apolline de Malherbe, en direct du Périgord. Nous allons rencontrer le jeune Mathéo. Le jeune Mathéo qui fait la météo, il fait la pluie, le beau temps en cours de maths. Voilà, nous allons le rencontrer. Alors, le petit Mathéo, alors au-delà de ses 11 ans et demi, petit par la taille et grand par les notes. Salut Mathéo, es-tu stressé? Non? Ok, est-ce que t'as peur? Non? T'es confiant? Oui? D'accord. Nous allons passer maintenant au plus vieux bachelier de France. C'est Johan Bonnedan, âgé de 44 ans. Oui, alors bonjour Johan Bonnedan. C'est à combien de fois que tu redoubles? 6 fois? D'accord, mais il faut redoubler d'efforts, dis-moi le petit Johan. Hein, hein, c'est que le papa, c'est pas Einstein. Hein. sacré couillon, va. Alors Johan... Inscription sur un site de rencontre, nom Eni, prénom Mohamed, sexe, ouais j'aime ça, ouais. C'est fumeur de weed, la vie de ma mère, c'est incroyable, j'ai pété la télé, wallah ça me rend fou. Amis, vous avez vu, ça y est, enfin on peut enlever le masque. Oh là, mais moi je suis pas prêt, les gars. Oh là, je suis trop habitué au masque. J'arrive pas à sortir sans masque. J'ai l'impression d'être tout nu, les gars. J'ai l'impression que les gens ils me voient à poil. C'est de l'exhibitionnisme. La vie de ma mère, mes joues, c'est devenu mon cul. La vie de ma mère, j'ai du mal à montrer mes joues comme avant, les gars. Je me sens bizarre. Sortir sans masque, c'est comme sortir tout nu. C'est comme sortir sans slip. C'est la même, les gars. C'est la même pour moi. Qui vont enlever le masque. Si au passage vous pouvez enlever votre mascara, voilà qu'on voit vraiment à quoi vous ressemblez. Et les meufs d'aujourd'hui, elles ont des têtes de filtre. Voilà les gars, des têtes de filtre, c'est incroyable. La meuf, mascara, les cils au crayon, des fausses taches de rousseur. C'est quoi ça? C'est quoi les meufs qui font ça? Fausses taches de rousseur? Des lentilles? Mais arrête un peu avec tes lentilles, t'as des yeux noirs, assume. Assume tes yeux noirs, voilà. Ils sont pas noirs, ils sont noisettes. Ils sont noirs, bordel. Voilà. La meuf, elle est là, en plus. Après, la meuf, elle te dit quoi? Ouais, bébé, est-ce que tu m'aimerais si je serais moche? Mais t'es moche. Voilà, t'es moche, bordel. Au quartier, tout à l'heure, j'ai croisé un pote à moi, complotiste. Voilà. Je dis, oh, frérot, t'as vu, à partir de ce soir, le masque, il est plus obligatoire à l'extérieur. J'y crois, ça, toi? J'y crois? Eh, les gars, hein? Eh, venez voir ce trou du cul. Ils croient vraiment que le masque n'est plus obligatoire à l'extérieur. Tu vois pas, c'est un complot. Tu vois pas, c'est un complot du gouvernement. Comme ça, les Français sortent dehors, ils se recontaminent et ils peuvent vacciner le reste de la population. S'il n'y a pas assez de personnes vaccinées, et après, on pourra plus envoyer les êtres humains sur la Lune et combattre les Martiens. Tu vois? Et aussi, le masque, alors d'aujourd'hui, il n'y a plus de masque. Donc, ils disent c'est plus obligatoire et qu'il y aura d'autres masques. On devrait acheter les autres masques. Ils vont plus nous vacciner, nous mettre une pilule dans le cul, contrôler nos cerveaux et vendre des iPhones et installer la 5G. Que je suis le seul à qui ça fait bizarre de sortir sans masque. J'ai l'impression de sortir sans slip, tout nu. Oula, tellement de nos jours, les gars, en 2021, quand tu envoies une photo de ta bouche, de tes joues, de tes dents, c'est un nude. Oula, c'est devenu un nude. Les nudes, c'est plus le fessier, les nichons, non, non, non. C'est la bouche, les dents, le sourire. Oula, le sourire, c'est un nude de nos jours. C'est devenu rare. Tu vas payer, grosse folle!
bon la vie sans masque. Ça m'a manqué de croiser une meuf, elle me fait un sourire, je lui fais un sourire. On se... Ah non, ça m'est jamais arrivé, voilà, ce que je raconte. C'est bon, les amis, je suis tout proche d'encaisser 2700 euros. J'espère que ça va tenir. Si ça passe, la team, je vous achète un maillot de Benzema à toute la team. Demain, maillot de Benzema à tout le monde, les amis. Voilà, va faire du rap, frère. Dégage de paille. Voilà, mais casse-toi, arrête le foot. Et il va faire rentrer dans le cercle bientôt. Va faire du rap. Oh là, t'es pas fait pour le... C'est pas vous, les gars, mais je vois trop la Croatie aujourd'hui. C'est plus les Croates, c'est les croche-pattes. Ils vont les balayer, les gars. Je le sens trop. Palmarès de la Croatie, on a failli gagner la Coupe du Monde. Voilà. Quoi d'autre? On a eu Souker. Souker. Qui se rappelle de Souker, les gars? Voilà. Les gens, ils sont là. Ouais, Modric. Les gens, ils pensent que la Croatie, ils sont bons que depuis 5 ans, les gars. Voilà, que ça a toujours été une grosse équipe. Elle a toujours fini là où on l'attendait pas. L'équipe la plus sous-estimée du monde, les gars. C'est la vérité, frère. Voilà. T'as d'autres pays, ils arrivent 2-3 fois en demi-finale, finale. On les met dans les GOAT, dans les meilleures équipes au monde. La Croatie, non. On veut pas s'y faire. Non, ben, la Croatie, c'est la surprise. Quelle surprise! Quand tu fais ça à chaque fois, c'est plus une surprise, les gars. Voilà. C'est une formalité. La Croatie va faire très, très mal à l'euro, les gars. Pas besoin de me répéter. Je vous le dis, dès maintenant, la Croatie va faire du sale et ça sera pas une... On va régaler la team. Hein. Putain, ils sont là où je rêve. Oh là, incroyable. Ils sont déjà exposés. Incroyable. Prends ce marine. Prends un S, un M. Voilà. C'est pour vous, les gars, ça. Hier, on a pris 2700 euros. C'est pour la team. S, M, L. Oh là, incroyable. Maintenant, maintenant, les amis, ça c'est le vrai flocage officiel. Vous faites pas avoir, les gars. Voilà, Benzema match, les gars. Benzema marque, buteur demain ou pas? Voilà, il marque sûr. Voilà, il marque. S'il marque pas, tu fais quoi? Voilà, je bats la poêle. L'instant qui marque. Non, voilà, t'achètes le maillot de Giroud ou pas? Ouais, je roule là. S'il marque pas Benzema demain, c'est bon. Je roule là. Voilà, vas-y, c'est bon. Vous verrez sur Snap, les gars. Vous, monsieur? Non, on fait floquer chez vous. Le blanc ou le bleu? Ben, le blanc, déjà, il y en a trois. Ok. Deux. Enfin, deux, celui-là, il est déjà fait, c'est bon? Ouais. Il y en a d'autres déjà fait en bleu? Non, j'en ai fait qu'un en expo. Ah, c'est bien, c'est gentil ça. Ben... Donc, un blanc en S, un blanc en M. C'est ça. Ben, okay. Je vais vous prendre SML. Point SML. L en bas, monsieur, ici. Que S et M. Incroyable ça. Ben, qu'est-ce qu'on fait alors? Ben, mets un autre M. Hein. Ouais, un autre M. Super. Et flocage de Giroud, vous avez? Je peux le faire. Hein. Vous pouvez le faire? Il n'y a personne qui vous le demande, non? J'en ai eu un papa de 50 ans. Ah ouais? Mais c'est le pauvre. Ah ouais, personne ne veut. C'est incroyable. Ça part au flocage, les gars. Voilà, Smaï, petit tour du monde. Tour du monde. Incroyable. Fais un tour d'Europe maintenant, voilà. Voilà, mais il t'a pas pris dans la sélection Deschamps, quoi, voilà. On l'appelait Falcao, les gars. Je ne pas aller croiser. Voilà, ligament croisé, les gars, vous connaissez. Mon mec qui dribble, il arrive devant Smaï. Petit pas. Ah, ça c'est le nôtre, les gars, il est beau celui-là. Oh là, t'en prends pas un pour toi, Smaïn? Non, mais c'est celui-là là. Croatie. Ouais, je l'ai sur moi. Ouais. Oh là. L'Angleterre est pas rien. Ah, l'Angleterre, oh là, l'Ardin. Oh là, on dirait les tiges, les maillots dans les aires d'autoroute, les gars. Oh là, pourri. Le pire, c'est beau. Le Portugal. C'est ta match ou quoi? Et ouais, le sang. Ça là, y a que Benzé qui est classe avec ça, le truc à la main. Ça tue, il est en blanc, Benzé. Voilà. Ça y est, la petite cagoule là. Ça là. Et nous aussi, on veut jouer au tennis. Voilà. Toujours les mêmes qui jouent au tennis. Nous aussi, on veut jouer. Je leur smarine. Voilà. Quand t'es allé dans les terrains de tennis, quand on joue, nous, ils sont pas tout le temps fermés. Voilà. Voilà. Tout le temps fermés. C'est ce qu'avec le grillage, comme si tu t'évadais de Fox River, le haut de Nadal, il pète sa mère, les gars. J'achète.
Voilà, nous aussi on veut jouer au tennis. Bon, pas badminton, on s'en bat les couilles du badminton. Voilà, c'est la grosse merde. Voilà. Nous, on peut jouer au tennis de table, nous. Voilà. J'ai fait un gros pari hier. J'ai dit, je vais offrir pour la team un peu. Tu as raison. Eh oui. C'est le premier, celui-là ? Ouais. Voilà. La classe. Puis ils mettent le 19, ça vous fait une lettre de plus, ça vous fait un chiffre de plus. Les premiers que j'ai fait, ils avaient pas ça, les clients. Vous avez quoi de neuf? Ils avaient que derrière. Moi, j'ai dit à ma patronne, j'ai dit qu'il faut les numéros devant aussi. De ouf. Ah, avec délicatesse et amour. Toujours. Il faut être gentil avec le maillot. C'est quelque chose, c'est devenu rare hein, d'avoir un maillot de Benzé, frère. Ouais. Je te jure. Rare, mais c'est comme les Pokémon rares, t'as vu, genre. Je te jure. Oui. Eh oui. Eh les gars, venez prendre un maillot de Giroud parce qu'ils en ont vendu que un. Non, mais c'est vrai, c'est ça, vous avez floqué qu'un maillot de Giroud. Ouais. Et c'était un daron de 50 ans. Un père de famille. Un père de famille. C'est le seul. Mais c'est sûrement le père à Giroud, non? Sûrement. Je te jure, ou le père à Valbuena. Hein, Waouh! Ouais, c'est la grande classe. Incroyable. Combien? 7 par carte.